y a plusieurs facteurs auxquels un joueur doit considérer durant un match de baseball. Évidemment, le nombre de retraits, le nombre de prises, le nombre de coureurs sur les buts, mais également les conditions dans lesquelles on joue. Par exemple, est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Donc, c'est des conditions qui deviennent extrêmement importantes pour les joueurs de position. Donc, s'il y a du vent, c'est facile. On peut régulièrement prendre du gazon, lancer dans les airs et s'assurer qu'on est en mesure de comprendre de quel côté le vent va. Donc, si la balle est frappée dans les airs, on peut réagir ainsi. Lorsqu'il y a du soleil, c'est également important de savoir où est situé le soleil par rapport à notre position. Et à ce moment-là, on peut trouver des moyens de s'assurer qu'on a un angle nécessaire pour voir la balle jusqu'à la fin tomber dans notre gant. Ce qu'on doit faire dans ce cas-ci, c'est par exemple, on ouvre avec le pas recul et on peut protéger avec la main nue le soleil pour ainsi capter la balle de ce côté-là. Dans l'autre sens, encore une fois, le pas recul, là, c'est notre gant qui peut nous aider à ce moment-là à cacher le soleil. Il y a également une autre façon de faire, c'est de se trouver un angle. Sachant où est le soleil, on peut vraiment jouer un peu avec nos angles pour s'assurer à ce moment-là de toujours garder l'œil, les yeux en fait, sur la balle jusque dans notre gant. Voici quelques exemples.